Eh bien, bonjour tout le monde. Salut Alex. Salut. Comment tu vas? Bah ça va, pressé de jouer. Ouais, bah carrément. Donc là, on a ouvert un nouveau pack de Chrono Clash. Celui-ci. Vous ne connaissez pas les cartes et nous non plus. La dernière fois, on avait ouvert un autre pack. Et puis bah là, écoutez, on va vous faire découvrir les cartes et on va nous-mêmes découvrir les cartes directement en les jouant. Moi perso, j'ai pas fait de partie depuis le mois de mars, je crois. Donc voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Bon, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que je commence? Ah, tu vas commencer. Oh là là, ça y est, ça commence. Ah, si tu me laisses le choix. Je sais même plus si on pioche une carte quand on commence. Il me semble pas. Ah bah voilà, évidemment. Faisons plus pour que tu commences. T'es sûr de ça? Et en plus, je joue avec des cartes non sleevées. Ça me perturbe. Hop. Donc, c'est 5 cartes en point de vie, 5 cartes en main. Hop. C'est ça. Et est-ce qu'on fait les points de vie avant la main? Enfin, on s'en fout en fait. Non, non, on pioche une carte au tour 1. Hein. C'est pas spécifié qu'on fait autrement. Très bien. Allez. Bon, on verra bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Ouais, comme ça on les voit bien. Et 1, 2, 3, 4, 5 cartes en main. J'ai mon deck ici, j'ai le deck d'extra. Alors, on ne le voit pas bien. Voilà, la limite c'est là. Et ici, voilà. Et ben, c'est qui part? Oh là là, eh, je sais absolument ouais, plus tiens. jouer. On va te laisser ça ouvert. Ouais. Orcam. Alors déjà, début de tour, je pioche une carte. Pour un de temps, je vais jouer un petit personnage. Ah, tu Bim! commences. Ouais, je commence. Ah, c'est pas très joli ça. Moi, ça me va très très bien. Je retrouve mes vieilles sensations de contrôle de temps. Je vais me prendre mon café, j'arrive. Ok, donc tu m'as laissé qu'un de temps. Bah oui. Alors, je pioche. Hop, je suis de retour. J'en profite rapidement pour vous teaser sans doute ce qui sera l'une des prochaines vidéos. Chronica Universalis. On fera une partie aussi. Et on découvrira ensemble. Écoute, bah moi pour 5, 1, 2, 3, Oh 4, là 5, t'auras 4 de temps, mais moi là. je cible une. Ah, j'ai pété mon masque. Un personnage et tu Un me butes. personnage de 4 de coups ou moins et je le tue. Bon, bah ok. Et ça sera à toi. Bah, j'espère bien. J'ai 4 de temps. Qu'est-ce que je fais? J'ai jamais vraiment su jouer à ce jeu-là, mais alors là, c'est encore pire. Est-ce que si je pose un perso qui a célérité mais qui me fait dépasser la ligne, j'ai le temps d'attaquer? Il me Non. semble que non. Non, laisse tomber. Bah non, en fait, c'est tout bête, mais non. Ok, alors. Comment je fais ça? Comment je fais ça? Comment je fais ça? Ça veut dire quoi déjà ça? Ok. Ah oui, ça marche pas. Alors, pour 3. 1, 2, 3. Hop, je vais peut-être mettre une petite caméra ici pour montrer rapidement ce que je joue. Toc. Bien qu'ici, on les voit quand même un peu. Alors, il a célérité. Je vais t'attaquer. Et quand j'attaque, je pioche
une extra. Allez, mon premier gardien. 5. Oh. Il n'aura pas d'effet, mais je vais tuer ta créature. Ok. Paf. Et ensuite... Oh bah tiens, c'est pas mal ça. Ah bah oui, mais non. Allez, évidemment que c'est bien. Donne-moi un peu de temps. Bah là, je vais t'en donner un petit peu. Je vais te donner deux temps. 1, 2, 3. Deux de force. Quand il arrive en jeu, mes autres battleurs gagnent célérité, on s'en fiche. Je choisis un autre battleur, je le remonte en main. J'en ai pas. Et quand il attaquera, il gagnera plus 2 de force. Ok. Alors, je pioche 1. Oh, elle est jolie celle-là aussi. Oui, en fait, je vais pas utiliser la petite caméra. Je vais tout montrer à la grande. Ça sera un peu plus simple. Alors, donc, celle que j'ai jouée tout à l'heure, c'était celle-ci. Bon, c'est pas fameux, fameux quand même. Hein. Bon, après, c'est des préco, hein, j'imagine qu'ils sont quand même. Bah écoute, je vais attaquer ton gardien. T'es sûr de toi? Certain. Ok. Et eh ben, on avec retourne. Avec 3. Eh non, je ne te fais rien. Par contre, quand il est détruit en gardien, l'effet en bas à droite, je la pioche. Très bien. Très bien, très bien. Laisse-moi du temps, vas-y. S'il te plaît. Elle est très jolie celle-là aussi. Écoute, pour 3. 1, 2, 3. Quoi ? Que un de temps ? Alors, je vais choisir deux battles, si je dis pas n'importe quoi. Ouais. Par contre, t'es obligé d'en choisir deux. Ouais. Ah, obligé ? Ouais. Bon, ben, je fais pas ça. Moi. Ah, ben voilà. 1, 2, 3. Monsieur triche. Il essaye, il essaye. Peu importe le jeu. Tu vas me sortir une carte de ta tongue après. C'est pas beau. C'est pas beau. Bah écoute. Allez, pour 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Alors, ce petit icône protégera de tes effets de cartes. Okay. Mes autres battles. Et quand il attaquera à 6 et non pas à 3. Ouais, ça me fait pas peur. Hein. Bah ouais, j'aimerais faire plus peur, mais non. J'ai pas mieux. Ok. Je me demande si j'ai pioché une carte. Non, je sais plus. Bon, on s'en fiche. Je pioche une carte au début de mon tour. Comment ça marche cette icône-là? Ok. Alors, j'ai deux de temps. J'ai deux temps. Pour... Ah non, pour rien du tout. J'ai oublié comment ça marchait. Ah ouais, ok. Alors, pour deux temps. 1, 2. Je vais jouer Izuku. Lorsqu'il arrive en jeu, tous mes autres battleurs gagnent potion. Donc s'ils okay. doivent mourir, ils ne meurent pas. Je vais attaquer tes gardiens. Ils gagnent plus 3 de force, je passe à 5. Oh bah c'était pas la peine. Ok. Et je la remonte en main. Et tu la pioches grâce à son effet gardien. Ça roule. Il me reste rien en temps. Je vais sacrifier ça. Quand elle est sacrifiée, je pioche une extra. Attends, attends, attends. Pourquoi tu la sacrifies? Pour jouer une extra.
Ah, mais faut que tu la pètes avec un effet de carte. Avec une extra que je joue. Ah, bah, joue là alors. D'accord. Toc. Donc là, tu peux piocher pour. Je pioche. Okay. Mais elle a dit quoi ? Quand elle arrive en jeu, elle gagne plus 2 de force. J'attaque célérité ton gardien. Enfin, tes gardiens. Bim ! Alors, je pioche un. Elle est jolie celle-là. Montre tes cartes, mon petit. Montre. Franchement, elle est jolie, je trouve. Et je défausse. Alors, par contre, j'ai une question. Est-ce que je peux. Mais je crois pas. Je peux pas jouer d'extra en sacrifiant une extra. Non. Par contre, je peux jouer autant d'extra que je veux à chaque tour. Par exemple, si tu as une autre extra pour 3, tu peux la sacrifier ta carte pour mettre une autre extra. Eh ben écoute, c'est ce que je vais faire. Eh ben allez. Oh là là, regarde comment c'est beau ça aussi. Donc 3 de patates, célérité, gardien plus 1, potion, légion, légion. Eh ben dis donc. Alors légion, c'est quoi déjà ? C'est que tu vas piocher, en fait tu vas regarder le top de ton deck et si c'est une carte, une battle. Je la pioche. Tu la pioches. Mais c'est quand elle est détruite, c'est pas quand. Quand elle est détruite, ouais. Ok. Eh ben, je t'attaque en gardien plus 1. Oh, ça m'arrange pas des masses. Tu m'as pété. Ça m'arrange pas des masses. Tu m'as pété. Légion numéro 1, je pioche. Légion numéro 2, je pioche. Je crois que tu piochais pas parce qu'en fait t'as la potion. C'est si moi je te tue. Ah pardon. Non mais t'as raison. Pardon. Alors à chaque fois que ce battleur perd une bataille en attaquant, il n'est pas détruit. Ok. Du coup, j'ai mon gardien additionnel qui se déclenche puisqu'il n'est pas détruit. Cette fois-ci, tu meurs toujours pas. Ouais. Et j'ai déjà plus de gardien. Ensuite, j'ai 0 de temps. Non, c'est bon, là, t'es à. Ah, j'ai passé la ligne. Bah, en fait, c'est l'effet de mon gardien qui fait plus 1. Qui m'a. Ah, rangé. J'ai pas vu ça. Mais mon. Ça m'arrange pas. Ah, mon. Bah attends, non, du coup, en fait, tu peux plus attaquer. Pourquoi ? Bah, parce que t'es déjà sur le. Sur mon temps. Ah, c'est le gardien d'avant qui ouais, a fait ouais, faire ça. Ah, mais oui, bah dans ce cas-là, c'est niqué. Ouais, t'as eu de la. Bon, je sais pas trop comment on va s'en sortir. Bon, en perdant. J'ai bien l'impression. Là, on voit qui c'est qui. Quel vrai maître au jeu. Ah, mais maintenant que t'as dit ça, t'as pas intérêt à dire. Hein. Alors. Ceci écoute, dit, là, moi, je vais m'en prendre plein la tronche. Hein. Bah, c'est pas dit, hein. Ouais, quand même. Parce qu'en fait, ça m'aide pas que j'ai gagné plus 1. Ouais, c'est vrai. Ça m'aide pas du tout. Du tout. Bon, bah, défaut de rien, on va faire ça. Hein. Alors, lui, il va aller attaquer ton extra. Elle meurt. Je fais légion 2 fois. Bon, on connaît les cartes. Hein. Hop. Yes. Merci. Est-ce qu'on le fait attaquer ce petit bonhomme ? Vas-y. Ce serait pas mal, hein ? Vas-y. Écoute, je vais attaquer ton extra alors. Eh ben, elle est morte. Et puis, bah écoute. Pour 2. 1, 2. Oh. Et lui, quand il attaquera un battleur, je peux choisir une de tes cartes et la mettre en inertie. Et quand je vais taper, je pioche une ex et je gagne plus 2 de puissance. Ok. Alors attends, ouais, ce symbole-là, c'est quoi déjà ? Tu m'as dit. C'est quand il a attaqué. Battleur. C'est quand il se fait attaquer. Ouais. Quand je te l'attaque, t'engages une de mes cartes. Ok, début de tour, je pioche. Je n'ai que 1, 2, temps.
pour 6. Donc je vais te laisser 5. Quand il arrive en jeu, je pioche une extra. Je cible un personnage adverse. Je n'ai pas le choix, ça va être lui parce qu'il a le paratonnerre. Et je lui fais gagner moins 3 de force. Donc il meurt. Et c'est à toi. Moi, je t'ai laissé du temps. Hein. C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Provocation. Quand un battleur de provocation est engagé et pas en quête, je peux pas attaquer tes autres battleurs. Ouais. Ah, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est du paratonnerre à attaque. Eh mais je suis tombé sur rouge-violet, je suis en train de penser. C'est pas mal. Écoute, je vais attaquer ton gardien. Eh ben écoute, hop. Alors je fais son effet déjà, je vais du coup piocher une extra. Et j'aurai plus 3. 2. Moi je vais te le tuer, parce qu'il a 4. Ouais. Et par contre, en effet gardien, lorsqu'il est détruit, ce qui n'est pas le cas parce que tu es plus faible que moi. C'est ça, et ça m'arrange parce que sinon j'étais dans le caca. Ouais. Alors... Faut que je regarde un petit peu le dessin animé. Ça a l'air d'être cool. Écoute, je vais jouer celle-là pour 3. 1, 2, 3. Alors, elle, je choisis 2 battles dans ma discard. Écoute, on va prendre... Ah, tu les remontes en main? Ouais, mais non, après, il faut que je me défausse de... De une carte. C'est que dalle. Elle est super forte celle-là. Je vais prendre celle-ci. Elle est super forte de ouf. Et celle-là. Et je vais me défausser de 1. Me défausser de celle-ci. Après. Je savais bien que j'avais une extra, mais je sais pas c'était laquelle. C'est extra. Alors. Ouais, en fait, au début, j'aimais pas trop les grandes cartes. Et en fait, je crois que c'est mieux. Moi, j'aime bien. Bah, au moins, tu vois bien que t'en as en main, quoi. Là, il va falloir les sliver d'une couleur différente, je pense. Ouais. Je vais sacrifier ces deux-là. Ouh. Et je vais faire rentrer Katsuki Bakugo. Et merde. Du coup, il a 7 et il va attaquer 2 gardiens. Et donc, c'est à chaque fois qu'il attaque, je perds 2 cartes. Ouais. Et tu cibles quelqu'un, tu le butes. Voilà. Alors. Et donc, attends, faut que je me défausse de 2. Je me défausse de 2. Ouais, ça va être compliqué là. Fausser de lui. Non, pas de lui. Fausser de lui et de lui. Tac. Allez, c'est parti pour 2 gardiens. Alors, première attaque. Hop, c'est détruit. Je pioche une carte. Et gardien plus 1. Je la pioche. Et puis, c'est écoute, chaud. Pour 3. Oh là 1, là 2, 3. Non. Mais ça sera à toi. Ah, ça joue moins le malin. Hein. Là, ça joue beaucoup moins le malin. Oh, il est vraiment nul ce jeu. Est-ce que éventuellement. Je sais pas quoi faire.
Ah bah non, ça marche pas. Ah si, peut-être que ça marche. Non, ça marche pas. Non, ça marchera pas, je pense. Si c'est une idée à Lido, ça marche ah, pas. Ah non, ça marche pas du tout même. C'est pas du tout ce que je pensais. Non, bah écoute, on va faire un truc. Pas celui-là. Je vais jouer ça. Momo, ça me coûte 3. 1, 2, 3, je te laisse à 2. Lorsqu'il arrive en jeu, je choisis un battleur dans ma discard. Je le remonte en main. Les extras font partie des battleurs, je crois. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Une extra ou la petite? Je vais remonter l'extra. Et ensuite, je discarde une cartounette. Je discarde ça. Et c'est à toi. Ok. Allez, je pioche une carte. Hop. Et j'ai pioché au début du tour, non? Bah, tu verras ça au replay. Hein. Oh non. Bon, t'as assez de cartes là de toute façon. Ouais, mais je crois que j'ai pas pioché. Bah tant pis. Ah bah voilà, en plus. Et ça triche. En plus. En plus, j'aurais gagné. Écoute, je vais la mettre en inertie pour donner la potion à ma petite extra. Ça roule. Et je vais attaquer ton gardien. Et ben ok. Et il faut que je défausse de 2 pour péter notre chère petite dame. Ah ouais, j'avais oublié ça. Ah non, mais je pourrais jamais remonter là. Ah non, mais oui, j'avais oublié. Du coup, j'aurais dû récupérer l'autre. Ah, j'ai perdu. Voilà, et du coup... Bon. Ah, j'ai pas trop le choix. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 3 de temps. Plus de points de vie. Cette fois-ci, je pioche. Pourquoi j'ai pas de sentinelle? C'est lui qui va faire gagner. Ah ouais, non, mais lui, en fait, il me bute quelqu'un à chaque tour, quoi. Bon, après, voilà, hein, j'ai que 2 cartes en main. Hein. Ah, quoique, je peux peut-être faire comme ça. Ouais. Pour 3, je vais jouer Shoto. Je suis à 0. Célérité, j'attaque ton gardien. Quand j'attaque, je pioche une ex. Oui. Oh là, il n'a pas d'effet. Il n'a pas d'effet. Alors, est-ce que tu as une extra à 3? J'ai une extra à 1. J'attaque avec célérité. Là. Et c'est gagné. Oui, c'était chaud. C'est gagné. Putain, c'était chaud. On retrouve trop le côté. Ah, mais ça se joue à pas grand chose. Hyper tendu d'habitude, quoi. Exactement. Alors, par contre, à voir comme ça, mais je pense qu'on va builder. Hein, Oui. Mais les premières parties, c'est pas si différent de Naruto, finalement. Non. Après, il y a le petit verrou là. Voilà. Si j'avais eu le temps, j'avais gardé ces 2 cartes. Pour pouvoir les mettre en dessous celle-ci. Pour déverrouiller et son effet. Et gagner plus 3 de temps. Ah ouais, à chaque fois que tu l'engageais. Ouais. À chaque fois que je l'engageais, et ça aurait pu permettre... Non, mais il y a quand même des effets de jeu un petit peu différents. Mais on sent quand même que ça peut rivaliser, mais carrément, avec Naruto. Oui. Bah c'est ça qui est bien. Hein. C'est l'intérêt du... Ah, c'est cool. Eh bien, écoute, je te propose de s'arrêter là. On ouvrira prochainement... Je sais pas quand, mais ce pack-là, qui est le dernier pack qu'on ouvrira en vidéo avec vous, on jouera directement le deck qu'on vient de le faire là.
la toute première vidéo que vous avez vue, je ne sais pas si on jouera les deux decks préconstruits, je pense qu'on fera du construit directement après. Un petit Naruto, My Hero ou Evangelion, on verra ça. Ouais, Naruto. Ouais, Evangelion. Bon, bah merci Alex. Merci à toi, et puis la prochaine fois, c'est moi qui gagne. Ouais, on verra ça. Merci tout le monde d'avoir regardé. Salut. Ciao.